Coucou tout le monde, portez-vous bien. Alors, on se retrouve pour une ouverture de courrier de JustCraft77 pour le concours des 800 abonnés. Alors, j'ai juste décollé et on va chercher la carte. Waouh, magnifique. Alors, je cherche la carte. Oui, c'est celui-là. Waouh, magnifique. Alors, elle a fait dans les tons lavande, rose, violet. Non. Donc, c'est une carte comme ceci. Puissant. Elle a mis du glossy, vous allez voir, sur certaines fleurs, certains éléments. Elle a mis du glossy. Elle est trop belle. Ou c'est une carte, comment on appelle ça? Bon, je lis le petit mot derrière. Alors, merci Jess, elle est trop belle. Donc elle a fait sur du craft, elle a maté sur du blanc, du violet. Il y a du rose, franchement elle est trop belle. Magnifique. Par contre, les chiffres, je ne sais pas en quoi ils sont. On dirait qu'il y a du glossy. Elle est trop belle. Là, on a un petit sentiment étiquette marqué félicitations. Trop belle. Bravo à toi, Jess. Comme d'hab. Magnifique créa. J'adore. Ensuite, on a les ATC. Joli comme ça, petit pochon. Hop. Elle a fait tout sur le même thème. Ah, oh, je reconnais. Alors, la première. Voilà. Donc, le thème, c'est. Au cœur de la rose. Elle était faite le 14 février. Elle est trop belle. J'adore ton tampon. Donc, elle a maté sur une base blanche, maté sur du mauve, du rose, et elle a gratouiller, on va dire, les bords. Il y a du glossy aussi. Ouais, sur papillon. Donc, elle a fait sur thème des fleurs. De la rose. Petit sentiment, smile. Elle a mis deux cœurs. Vous voyez, hop. Il y a du glossy sur papillon. Trop belle. La 2. Ouais. Happy, l'appareil, le papillon. Il y a du glossy et les fleurs. Elle a mis l'aquarelle dessus. Les touches de. Vous allez voir. Faire briller. Trop belle. Ça, c'est la 2. Et la 3e, Magic. L'appareil, le papillon. Je me demande avec quel. Avec quoi tu as fait les paillettes sur les roses. Ou alors c'est déjà. En tout cas, elle est à tomber. Avec le vieux vélo. Ça, ouais. Enfin, comme on avait ça. Et là, on a Magic. Avec deux énamel dots. Elles sont trop belles.
bravo, hein, franchement, Jess. Après, nous avons la lollipop. Hop, on l'a mis dans une poussière. Oh, elle est toute mignonne. Ah, tu t'es éclaté avec le dossier. Donc, sur une paille violette, elle a dû la peindre, je pense. Donc, elle a fait sur un papier sa fleur. Là, on a la rayure. Donc, au milieu, elle en a fait une découpe. Ils sont chouettes, des étoiles. Donc, elle a mis des fleurs, papillons, oiseaux, mis des paillettes, la petite étoile rose gold. Bravo, 800. Là, j'adore la couleur de ta dentelle. Je connais pas. Et elle a collé. Elle a fait un nœud et elle a collé un petit cœur en bois. Je les ai, ces petits cœurs. Et derrière, pour cacher le rond, elle a mis un broc avec des fleurs. Trop belle. Franchement, bravo, hein, Jess. Comme d'hab. Après, nous avons le moonboard. Wow. Paris Vintage Chubby. Excellent. Donc, sur une base noire, elle a fait son cadre moonboard en violet. Là, on a des roses. Ça, c'est un die cut. Avec du glossy et un petit papier. Un oiseau. Ici, trop beau. Je sais pas où tu as trouvé ces papiers. Paris, avec plein de roses. Là, on a senti mon Paris. Papillon. Elle est trop belle, la tour Eiffel. Alors, ça doit être du serviettage, celui-là. Tu me diras, Jazz, mais ça, il me semble que c'est du serviettage. J'adore. Après, on a Vintage Papillon. Donc, le cœur, elle a mis du glossy. Et un sentiment Vintage. On connaît tous ça. Donc, elle a mis, elle a fait un tag, petit papillon. Elle a collé un petit rond rose en dessous. Avec, sur les années 30-40. Et là, elle a colorisé, mis du glossy et détouré le gramophone qu'on a. Et là, on a le vélo. Je crois que tu as ancré les bords. Trop, trop. Bravo à toi, Jess. Vous êtes douées, les filles, hein, en fait. J'adore. Et là, il y a un petit cadeau. Un carnet de notes. J'adore. J'adore ton papier. Alors, sur un bloc-notes, devant, elle a fait. Bon, d'où il vient ce papier, il est beau. Elle a mis de la dentelle en bas. La machine à écrire, marqué note, le petit nœud, du coup, le petit strass au milieu. Et là, on a des ronds. Ouais. Et elle a mis la dentelle en haut. Et ce papier-là, il rejoint un peu derrière. Et pour cacher les séparations, elle a mis la dentelle et un papier comme ça.
Aka. Trop. À l'intérieur, elle a mis aussi du papier. Trop sympa. J'adore. Bravo, hein, Jess. Y a de quoi faire. Super. Merci beaucoup pour le petit cadeau. Voilà, c'était la participation au concours des 800 abonnés de Jeff Rapp 77. Voilà. Bravo à toi, Jeff. Et encore merci pour toutes ces belles créations. C'est trop joli. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.